bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Alors, pour une première dans Partage ton histoire, j'ai deux invités sur ce plateau avec moi, Stacy et Ludivine, qui vont nous raconter leur témoignage. Et vous allez voir combien de fois Dieu est bon, combien de fois Dieu est merveilleux, parce que ces témoignages vont vraiment vous bénir. On se dit à tout de suite. Bonjour les filles. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. C'est un honneur pour moi de vous recevoir ici et d'écouter votre témoignage qui va véritablement bouleverser des vies, je le crois. Amen. Amen. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, Ludivine? Oui. Du coup, je m'appelle Ludivine, j'ai 25 ans. J'habite à Créteil. Mmh. J'ai rencontré le Seigneur en 2017, mais avec des hauts et des bas. Mmh. Et du coup, vers 2019, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment le suivre complètement. Mmh. Et voilà, maintenant, ça fait 3 ans où je suis à fond en Christ. Et voilà, en gros. Hein, pour, Amen. Ouais. Merci beaucoup. Nous avons Stacy aussi. Oui, du coup, moi, c'est Stacy, 27 Merci. Ans. Je suis infirmière et pareil, donc on a rencontré le Seigneur à peu près au même moment. On s'est fait baptiser en 2017 et pareil, c'est pendant le confinement que j'ai vraiment serré ma relation avec le Seigneur jusqu'à maintenant. Quoi. Ah, pendant le confinement, il y a beaucoup de personnes qui... Mmh. En fait, il y a eu deux effets. Il y a des gens qui sont vraiment éloignés de la foi, c'est ça, là, ça. Et des gens qui ne connaissaient pas trop et qui se sont accrochés. Exactement, c'est ça. Bon, aujourd'hui, c'est particulier parce que c'est la première fois que je suis intervenue avec deux personnes, mais vous avez, votre témoignage se rejoint à un moment donné. Ouais. Mais on va d'abord commencer un peu de manière individuelle. Bon, okay. Déjà, vous faites partie de la même famille, vous êtes sœurs. Dans quel contexte familial vous avez grandi? Vous êtes des frères et sœurs? Vos parents sont de quelle origine? Est-ce que vous avez grandi dans ce contexte croyant ou pas? Ok. On a grandi dans un contexte... En fait, nos parents, ils sont nés... On va dire, si je peux dire ça comme ça, dans la tradition catholique. Et du coup, on allait à l'église quelques dimanches, parce que des fois, on ne voulait pas trop y aller. Et on a grandi, en fait, voilà, dans ce type de... Je ne vais pas dire... Non, ce n'était pas une relation encore, mais vraiment dans cette religion-là, la religion catholique. Du coup, on allait à l'église quelques dimanches. Et après... Après, voilà, on faisait quand même notre vie, en fait, comme on voulait. On n'avait pas vraiment cette relation avec Jésus-Christ. Mmh. Donc, on savait, en fait, qu'il y avait un Dieu. Ouais. Mais on ne le suivait pas, en fait, comme on doit suivre selon la parole. Mmh. Et voilà, après... Je me souviens que... je sais que Dieu existe. Oui. Mais je me suis fait baptiser bébé, je me souviens, c'est-à-dire du coup je vais au paradis, tranquille, je peux faire ma vie. Ouais, je suis baptisée, donc c'est bon. C'est ça, et parce que ouais, franchement, on a suivi les cours de caté, on a fait notre première communion aussi. Mais après, comme je dis souvent aux gens quand je raconte mon témoignage, je savais que Dieu existait quand j'avais surtout besoin de lui. Ah. Réussir le bac, réussir telle chose. Non, ou, on se rappelle de Dieu. Ou t'apprends un petit peu par cœur le Notre Père, voilà quoi. Je vous salue Marie. Mais ouais. Aussi. Oui, je vous salue Marie aussi. Ouais. Mais on ne marchait pas avec le Seigneur. Voilà. En gros, dans vos actes, dans votre comportement, vous ne reflétez pas en fait l'attitude d'un enfant de Dieu. Non, on n'était pas des personnes mauvaises, mais on n'était pas non plus des bons chrétiens, si je peux dire ça. Quoi. En fait, on avait quand même certaines valeurs. Oui, normal. Il y a des choses qu'on se disait, ça, je ne peux pas faire ça. Ça, je peux, mais... Mentir, c'est pas grave. Oui. Parce que gros, vous avez appris certaines choses, mais il y en a d'autres que vous banalisez. Oui, c'est quoi. Ça. C'était pas... Je disais, c'est pour l'ancien temps. Ouais. C'est des choses de l'ancien temps. Ouais. Faut avancer maintenant. Ça est, c'est une génération. C'est vrai. C'est ça. On n'est plus en 1980. C'est ça. En 2000. C'est ça. C'est tout à fait ça, ouais. Amen. Et donc, du coup, on va commencer Ludivine par toi, en fait. Un peu pour savoir justement dans ton témoignage, en fait, comment ton témoignage a commencé? Ça a commencé, on va dire, à partir de 2012-2013. C'était une période, en fait, où j'étais fan d'un artiste, c'est Justin Bieber. Ah oui. Il y en a beaucoup, t'inquiète, il y en a beaucoup fan voilà. De lui. C'est ça. Et du coup, j'avais un compte Twitter, un compte fan Twitter sur Justin. Et j'avais à cette période en fait beaucoup d'amis qui étaient
lesbiennes, voire ou bisexuelles. Et des fois, elles me parlaient de leurs relations avec leurs copines, etc. Et moi, cette période, étant donné que je savais qu'il y avait un Dieu, mais je me disais, bon, c'est de l'amour, etc. Oui. OK, c'est trop mignon. Des fois, j'essaie de les conseiller, etc. Pour que leur relation avance. Et à force, en fait, moi-même, étant donné que j'avais des copines qui étaient aussi fans de Justin, ça fait que des fois, on discutait, etc. Ouais. Et j'ai commencé, en fait, à me considérer, moi aussi, bi, en fait. Ouais. Bisexuelle, où je me disais, une fille, en fait, ça te comprend, tu peux lui parler de choses, en fait, elle est plus sensible, etc. Et du coup, je me disais, c'est bien, en fait, c'est mignon, etc. Il y a même un moment où je me disais que les relations gays, je les trouvais plus cute, ouais, que les relations, en fait, hétéro. Ah, et carrément, ouais, pour moi, c'était... Je préférais voir un couple gay, en fait, qu'un couple hétéro. Ah, oui. Et du coup, j'ai commencé à parler avec des filles, etc. Et en fait, dans la manière de leur parler, je mettais pas de limite en me disant « Ouais, ça va être que mon ami. » Ouais. Ça veut dire que je me disais « Ok, il peut avoir plus, pourquoi pas, etc. » Et j'avais une amie sur les réseaux, du coup, avec qui je parlais le plus souvent. Et franchement, elle et moi, je dirais pas que c'était ma copine, mais on va dire elle parlait qu'à moi et je parlais qu'à elle, en fait. Et franchement, il y avait pas ces limites là et je me disais pourquoi pas qu'il y ait plus, etc. Et vraiment, c'est à partir de ce moment là en fait où mon témoignage a commencé. Après, je l'ai appris il y a pas longtemps. Non, je lui ai dit, je crois que je lui ai dit il y a un mois. Et j'avais des petits doutes quand même. Parce que je ne m'intéressais pas aux garçons, ouais, en fait. D'accord. Malgré que je me considérais bi, oui, j'avais plus d'attirance vers les filles, en, ouais, fait. Et je lui ai dit il n'y a pas longtemps, ma maman, je lui ai dit, quand j'ai posté en fait ce témoignage sur Twitter, et il y a eu tellement de vues et de likes et tout ça, je me suis dit, oh là là, mais si elle l'apprend d'une autre manière, autant lui dire. Et franchement, sur le moment, ça lui a fait quelque chose, mais après, elle a dit gloire à toi, Seigneur, ouais, en fait, parce que ma fille, c'est plus cette personne. Ouais. Ma sœur, elle a su, il y a un mois à peu près, on, ouais, en discutait avec ma maman, et du coup, ma sœur a dit, vous parlez de quoi? Et du coup, je lui ai dit, je te l'ai jamais dit, et voilà. Mm-hmm. Mais elle avait des doutes, parce qu'elle disait qu'en fait, on avait des amis en commun qui voyaient mes posts sur Twitter, et du coup, qui lui ont dit, ta sœur, elle met des drapeaux LGBT, etc. Mm-hmm. Et moi, je savais pas, en fait, ma copine, elle lui a dit, entre guillemets, mais ma sœur, elle disait, mais je pense pas, sinon elle m'aurait dit... Mm-hmm. Et en fait, non, j'osais pas le dire. Franchement, c'est que mes amis qui étaient fans de Justin qui savaient. Sur Facebook, je le montrais pas forcément, je pense pas du moins. Non, tu montrais pas. Et voilà, en gros, c'est comme ça que ça a commencé. Après ce passage-là, j'ai commencé... on a eu une petite période, du coup, la période... Ouais. Je sais pas si je le... Si... La période 2 où on était un peu dans l'occultisme. On va parler, oui, de ça. Okay. Juste avant qu'on parle de ça, justement, toi, okay, tu vas nous parler maintenant un peu de comment ton histoire a, okay, a commencé. Okay. Et ensuite, on se rejoindra. Ok. Moi, en fait, mon histoire... en gros, moi, c'est beaucoup par rapport à mon caractère. Mmh. Parce que comme je disais dans le live tout à l'heure, j'étais vraiment une personne timide. J'avais pas du tout confiance en moi et en gros j'étais à l'aise qu'avec un cercle très restreint, et si tu faisais pas partie de mon cercle, c'était très difficile pour moi de te parler. En fait, comme je dis souvent en exemple, passer dans le couloir de mon lycée, c'était horrible. Ah oui. Horrible, parce qu'en fait, mes amis, j'ai une amie vraiment qui connaissait un petit peu de monde. Donc, salut à ci, salut à ça. Toi, t'es derrière, des fois, on dit salut ou pas. Je commençais à stresser toute seule. Ah, tu t'affiches, t'es une bolosse, t'es derrière, nanana. Donc, je commençais à transpirer, mais vraiment. Vraiment, ouais. Au point de faire des crises d'angoisse, wow, et tout. Ouais, ouais, ouais. Donc, ou sinon, pour me rendre plus... Donc, ça fait que pour me rendre un peu plus intéressante, j'ai commencé à mentir. Mm. Et mentir beaucoup et pour tout.
Après, jusqu'au... tu ne te perdais pas dans les mensonges. Ben, c'est ça. Oui. Il y a un moment carrément où je ne savais plus à qui j'avais menti ou pour quelle histoire j'avais menti. Oui, c'est vrai. Et on n'arrête pas de me dire, toi, mais toi, tu mens aussi, tu mens. Donc quand je disais la vérité, on ne me croyait pas. Parce que je mentais beaucoup et tout ça pour être plus intéressante, être mieux vue des autres. Alors qu'en vrai, je ne suis pas une personne... nulle, entre guillemets, je suis pas une bolosse, mais c'est ce que je pensais. Et en fait, pendant l'école infirmière, ça a été très difficile pour moi. La première année, parce que du coup, j'avais pas d'amis, je connaissais personne. Mes deux autres amies du lycée à qui j'avais fait mes études, elles avaient passé le concours auxiliaire puère, donc elles étaient ensemble. Et moi, je m'étais retrouvée seule. Donc, en fait, je faisais tout pour arriver avant, pour pas qu'on me parle. Et en gros, limite, je me rendais froide et limite hautaine. Parce que j'étais tellement timide que je voulais pas qu'on me parle. Ouais. Je me suis dit, si t'as l'air fermé, les gens, ils vont pas venir. Mais sauf que le matin, me lever pour aller en cours, c'était des angoisses et tout. T'avais la boule au ventre. Vraiment. Vraiment. Mais je crois qu'il y en a qui savent même pas. Et c'était vraiment très, très stressant jusqu'à un moment où j'en pleurais vraiment. Je disais, mais j'en peux plus. Et je connaissais pas le Seigneur à ce moment-là. Donc je disais juste, j'en peux plus. Il faut que je trouve une solution et tout. Donc ouais, limite, je voulais des médicaments, j'en ai pas pris. Je sais que ma mère prenait un petit peu des fois des choses pour aider à dormir, donc je me disais, bah, si je le prends, je serais plus cool. Donc les jours où j'avais des examens et tout, je les prenais pour être moins stressée. Mais voilà quoi, et jusqu'au moment où est arrivée la période occultisme. Quoi. Ouais. Et donc du coup, vous arrivez justement, qui a influencé qui a proposé à qui? Comment ça s'est passé? Bah, en fait, c'est qu'on a, aux Antilles, quand on partait en vacances, il y a toujours des histoires comme ça dans la famille. J'étais voir machin, j'étais voir ceci et tout. Et du coup, des membres de ma famille m'ont dit, ben, si tu veux, pour que ça soit plus facile pour toi à l'école et tout, on ira voir Tintintin. Donc quand on était en vacances, on a été voir une telle personne qui m'a dit « Mais oui, t'inquiète pas, les cours vont bien aller, tu feras ça, ça, ça et tout quand tu rentres en France, donc ça va bien se passer. » Donc après, on est rentré en France. Et en France, on a été voir ce genre de personnes où bah, du coup, tu as des petits rituels à faire. Pour réussir ton concours, il faut que tu fasses ça, mets ça sous ton lit. Je me souviens, il fallait que j'achète un foulard rouge que je mets tout le temps sur ma tête pour dormir avec. Déjà, tu vois, truc bizarre un peu. Je devais me baigner dans des... On devait faire des bains dans des trucs avec plein de feuilles, avec des huiles bizarres que tu achètes des fois aux Chinois. Tu vois, des trucs comme ça, là. Tu mélanges des prières, en gros, tu demandes à Dieu, ben du coup, Dieu aide-moi à faire ça, tu vois que je fais ça et tout, pour que mon cerveau souffre, pour que je retienne. Je mettais une crème spéciale pour, en gros, genre briller aux yeux devant les examinateurs. Ça, c'est vrai, c'est vrai. C'était une crème au lait de je sais pas quoi. Je me souviens, ouais. Et en gros, cette crème, en gros, si tu la mettais, tu brillais, on voyait que toi. Donc, d'une certaine façon, ben, ça me donnait confiance. Mais bizarrement, malgré ça, ben, j'ai quand même raté. Ah ouais, moi aussi, pareil. Ah mince. J'ai quand même raté. Donc c'est là que je me suis dit, c'est bizarre. Est-ce que t'as tilté ou non? Ben, je me suis dit, peut-être c'est bizarre, mais c'est moi aussi, j'ai pas mis assez de chance de mon côté. Donc on est retourné voir, on a dû faire d'autres trucs. Va dans 10 églises, achète tel animal, tu me donneras. Ouais, plein de trucs comme ça. Et du coup, on allait chez cette personne-là, je faisais ces rituels-là. Le matin, elle me demandait des choses à faire et tout. Mais en même temps, cette période-là, je faisais des rêves bizarres aussi. Des rêves qui me dérangeaient, mais je me disais, ben, elle est gentille. Donc, la voix que j'entends dans le rêve, c'est juste une voix forte pour m'aider. Mais non, pas du tout, c'est pas une voix forte pour t'aider. C'est tout le contraire, quoi. Et t'es juste attachée. Et c'est, je pense, à ce moment-là quand même que j'ai tilté. J'ai dit, mais... deux fois je fais, deux fois je rate. Et bizarrement, quand avec mes connaissances entre guillemets un peu plus ridicules, j'y arrive. Mais c'est que ça, c'est pas bon. C'est que ça, c'est pas bon. Et vous payez l'argent ? Oui, on payait beaucoup. En plus. On payait beaucoup. C'est concret, ça. Quand on était aux Antilles, et du coup, il y a... Avec le bracelet. Oui, voilà, on était allé pareil chez une dame. Là, c'était pour notre protection, en fait. Et par rapport à quoi ? Vous voulez protéger de quoi ? De tout, de tout. Il fallait protéger de tout pour notre protection. Et du coup, je me souviens, avant qu'on aille aux Antilles, elle avait dit, il faut acheter deux bracelets. Et ces bracelets-là, quand vous les avez achetés, déjà, il faut que personne ne les touche. On est là-bas, on arrive chez elle, on lui donne les bracelets, elle les met dans de l'eau, dans un bocal.
des trucs bizarres. Et je me souviens, elle était assise, elle a dit, bon, ça va commencer. Et du coup, elle a invoqué quelque chose, en fait. Et la chose a pris possession d'elle. Parce que du coup, il y a une voix différente qui est sortie d'elle. Ouais. Et je me souviens, avec ma sœur, on a eu peur. On n'était pas à l'aise. Et on s'est dit, mais... comment ça pour ma protection et tout? Et franchement, on était là-bas et on était avec un autre membre de notre famille et on regardait cette personne. On dit, en gros, genre, qu'est-ce qu'on fait ici? Et je me souviens, bon, en fait, c'était un démon qui parlait, qui disait, ça va les filles, vous avez bien appris à l'école, etc. Comment va votre vie? Non, mais c'est vrai. Ouais, et je me souviens de ça. Et à ce moment-là, en fait, j'avais encore, bah, du coup, le fait que je pensais être bi. Ouais. Et, sauf que, en côté de moi, comme elle me disait, non, t'inquiète, c'est rien, c'est la personne que je vais invoquer, elle est gentille et tout ça, je me disais, ah, peut-être que c'est un ange de Dieu. Et me dis, peut-être qu'il va lire mes pensées, il va dire, oh là, mais t'es bi, etc. Et du coup, j'avais tout ça qui me sortait par la tête. Et en fait, non, pas du tout. Enfin, c'était vraiment un démon, en fait, qui parlait. Et du coup, après, on a eu... ah oui, c'est vrai. La personne avait une lame. Et cette lame, en fait, elle nous a fait une croix sur le bras. Ouais, ici, là. Et la croix, on l'a toujours, ouais. Sérieux? Ouais. Tu vois? Je sais pas si on voit. On peut zoomer. Ah oui, on voit un petit trait. Ah ouais. Et du coup, elle nous a fait une croix. Et en vrai, quand on y pense maintenant, on dit, mais c'était le royaume des ténèbres et ils font une croix sur notre épaule. C'est l'ignorance avec tout le mélange des... C'est ça. Donc en fait, eux-mêmes, ils savent que la croix de Jésus... Bien sûr, il y a la puissance. C'est ça. Et franchement, et en fait, il y avait du sang du coup qui est sorti, oui. Et ce sang-là, je sais même plus ce qui s'est passé, elle mais en vrai. Elle a pris le sang. Oui, elle a mis dans des cendres, je crois. Ouais, des trucs bizarres. Hein. Ouais, ça, c'est la sorcellerie. Vraiment. Et quand on y pense, maintenant, je me dis, mais waouh, genre Seigneur. Ouais. Ouais, tu nous as sorti de. Je sais même comment on est sorti de ça. Je sais pas. Franchement, sorti de ça, je sais que moi, mais en fait, je pense que c'est le fait que malgré tout ça, j'ai raté mon concours. Que je me suis dit que c'est pas bon. Parce que quand je l'ai fait par mes propres forces, j'ai réussi avec une très très bonne note. Ouais, donc... C'est fou, hein. Franchement, abusé. C'est fou. Et donc, du coup, finalement, après cet épisode d'occultisme, finalement, vous dites, bon, allez, on laisse tomber. Ouais, on a dit, ok, c'est passé, on prend la vie classique. Ouais. On a jeté le bracelet. Bon, j'avais un peu peur de le jeter quand mais même. Mais des fois, le bracelet, rappelle-toi, tu le perdais. Beaucoup. Ah, mais oui. Tu le perdais souvent. Tu disais, mais c'est pas possible, dès que je l'ai, je le perds. Tout le temps. Oui, c'est vrai, t'as raison, j'avais oublié. Le Seigneur, il voulait déjà qu'on enlève ça. C'est ça. Et donc, du coup, finalement, après cet épisode-là, en fait, bon, voilà, vous arrêtez ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe, en fait? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent de manière individuelle d'abord dans votre vie avant que vous puissiez qu'on puisse parler en fait du témoignage par rapport à l'alcoolisme? C'était à quelle période? Il y a tellement de choses qui se sont passées que des fois je me perds. Après ça, dans ma vie, pas tellement en fait. Il n'y a pas vraiment eu d'épisode. Voilà. Après, ça commençait à être des sorties quoi. Oui, voilà. Après, ça commençait à être des sorties, mais entre ça, non, pas. Pas grand chose pour ma part. Enfin, pas grand chose. Donc, du coup, bon, t'étais jeune, du coup, tu m'étais amusée, les sorties. Oui, c'est ça. Les fêtes, les soirées. Et du coup, toi, dans ton cas, toi, après cet épisode-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sortir. D'accord. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à sortir parce que, en fait, donc, il y a eu la première sortie quand t'es au lycée, mais voilà, sans plus. Et c'est après, quand j'ai eu 18 ans, que j'ai vraiment commencé à sortir, à vouloir, en gros, faire un petit peu comme les autres et surtout trouver une échappatoire à l'école. Parce que vu que j'ai fait l'école infirmière, et du coup, c'est quand même assez stressant. Mm. Donc, le vendredi soir, parce que j'avais pas encore de sous, voilà, on fait les sorties, puis tu bois un petit verre. Après, tu en bois deux. Mm. Le mois d'après, tu passes à trois. C'est ça. Et puis tu commences à rencontrer de plus en plus de monde. Donc quand t'es en boîte, tu commences à te faire ton cercle. Ouais. Oui, oui. Vous commencez à acheter des bouteilles ensemble. Et puis c'est comme ça que petit à petit, tu rentres dans ce cercle vicieux. Ouais. Quoi. Et donc du coup, finalement, toi la plus grande, tu influences la plus petite. Ah voilà, vous allez ensemble, oui, c'est ça, vous c'est enjouez. Ça. Finalement, quel était votre mode de vie en fait?
quand vous allez en soirée, c'est juste pour danser ou est-ce que finalement, bah, parce qu'on sait qu'on va parler de l'alcool, comment vous êtes entrée, comment vous avez commencé à boire de l'alcool et qu'est-ce que ça vous faisait la première fois, comment ça s'est passé? Je commence. Vas-y, ma soeur, après je continue. Bah, en fait, la première fois que j'ai bu de l'alcool, c'était pas très bon. Ça m'a brûlé, c'était chaud. Jack Coca, ça va pas du tout. Mmh. En plus, je crois que j'étais sur un bateau, donc j'ai mis les deux ensemble, mal de mer. Et... ça doit être horrible. Ouais, c'était horrible. J'imagine. Donc j'ai dit, bon, on arrête. Et puis après, on a commencé à sortir. Tu bois un petit peu, tu sens que tu commences à être beaucoup plus à l'aise, oui, moins timide, parce que comme j'ai dit, j'étais timide. Et que, mais même s'il ne faut pas mentir, je sais que je ne suis pas... Bon, je ne sais pas si ça se dit, mais je ne suis pas moche. Donc du coup, je bah, ma sœur, tu as le droit et puis tu as raison, nous sommes de belles créatures. Mais c'est ça, et donc du coup, tu dis, ben, si tu es un peu plus... extraverti et dévergondé, c'est tu vas ça. Un peu plus attirer les garçons et généralement les bandes de garçons ont des bouteilles et tout, ça va être plus facile, c'est voilà, ouais. Plus facile pour toi de boire et puis à commencer à voir les concours de danse sur les podiums et tout, tu sais que tu sais danser, tu sais que t'as un joli corps et ben en bougeant tu vas avoir encore plus de vent, ouais. Plus d'occasion d'avoir de l'alcool à gogo quoi. Et du coup, donc, toi aussi, voilà. Tu étais dans le même mood. Oui, pareil. Déjà, je sortais avant mes 18 ans, mais c'était dans des pubs. Ouais, ouais, c'est ça. Et il y a quand même la musique là-bas. Les oui, gens oui, fument oui, et tout, oui. C'est ça. Donc, bon. C'est ça. Et bon, au début, c'est des petits verres de jus. Après, forcément, il y a des musiques que t'aimes bien. Et comme ma sœur, j'étais quelqu'un de très timide et très réservé. Je voulais pas forcément me mettre en avant. Voilà, donc je me suis dit, bon, je vais prendre un petit verre. Et quand tu bois le petit verre, tu te sens bien et tu dis, waouh, je me sens libre, c'est pas moi et tout. Et du coup, tu bois et un verre se transforme en deux, deux en quatre. Après, du coup, quand on sortait, on était habillés de la même manière. Du coup, un haut court et un short court. Et ça fait qu'on avait aussi notre ami avec nous. Et ça fait que quand on arrivait, en fait, on nous appelait la team short. La team short. La team short. Et du coup, des fois, on entendait, il y a la team short. Et nous, on aimait trop ça. Parce que déjà qu'on est des personnes timides, oh là là, on nous reconnaît. Ouais, allez, ça y est. C'est ça, en fait. T'es connu des vigiles. Ouais. T'as plus peur de rentrer. Les videurs, videurs nous faisaient la bise et tout. Tu sens plus, quoi. Ouais, les videurs dans la boîte, pareil, ils nous protègent. Si t'as un problème, tu viens me voir, je la vire, la personne et tout. Donc nous, ouais, vas-y, on était les reines là-bas. Ça y est. Ouais, vraiment. Et en plus de boire... On a vu une photo dans le témoignage même. Ouais. Et en plus de boire, ça rajoutait quelque chose et on se sentait vraiment, vraiment libre de nos mouvements et même dans notre manière... dans notre tête... On sentait plus la gêne en fait. Ouais. On sentait plus de gêne. Vous votre conscience par rapport à ça. C'est ça, tout à fait. On a, justement, on a une conscience qui nous rappelle à chaque fois au début, on ne sait pas trop d'être pas, mais une fois qu'on a réussi à faire taire la voix, c'est quartier vert en fait. C'est y a ça. Ça. Bah, c'est tout ça. À fait, oui. On était grave contentes. Hein. Oui. Genre, le matin quand on se réveillait, on était contentes. Ouais, hier, t'as vu comment on a dansé? Oh, hier, là, on a arnaqué des personnes et tout pour avoir des verres et tout. Genre, je suis fière. On était trop contentes. Vraiment. Vraiment, c'est comme si, c'est à peine si on n'avait pas une liste, on doit dire, on doit faire ça, on doit faire ci. Non, mais vraiment. Ouais. Mais en plus, quand on sortait le vendredi après le samedi, on disait à tout à l'heure. Ouais. Vraiment, dans quelques heures. Ouais. À quelques heures, c'est ça. Parce que vous allez revenir encore. C'est ça. Mais du coup, finalement, à la fin, dans cet épisode, vous pouvez boire jusqu'à combien de verres? Le maximum que j'ai compté, c'était 15 verres en une soirée. Ouais. En une soirée. Ouais. En sachant qu'un verre, c'est ça en fait. Ouais. Ouais, c'est mélangé. Donc, et en plus, on mélangeait du coup Jacques Coca, vodka Red Bull, rhum ananas. Ouais. Non, mais... Et même des fois, c'était. Je payais 10 euros, je lui disais, tu mets que de la vodka. Et du coup, la vodka, elle la mettait à la moitié du verre. Ouais. Et du coup, c'était genre un shot en fait. Et qui dit qu'il n'y a pas de vodka? Non. Parce que c'est blanc, c'est la vodka, c'est tout blanc. C'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est de l'eau, l'alcool, c'est pas de l'eau, non, ok? Non, vraiment. Ouais. En plus, on buvait avant de sortir parce qu'on se rejoignait avec des amis. Ouais. Du coup, on prend un petit verre, on prend des petits shots. Et du coup, en boîte, tu bois. Le lendemain, tu refais pareil. Mais du coup, tu n'as pas évacué l'alcool de la veille.
Donc t'es tout le temps sous. Ouais, c'est ça, c'est en ça. Fait. Et du coup, le lundi, quand on allait... parce qu'au début, je travaillais pas. Après, j'ai commencé à travailler. Mmh. Bah, le lundi, j'allais travailler, mais hyper fatiguée. Hyper fatiguée. Pour moi, l'alcool n'était pas encore descendu complètement. Et on se disait, oh non, je suis trop... On s'envoyait des messages. Ouais, je suis dans le mal, c'est fini. Samedi prochain, on boit pas, on boit que du jus. Oh. Arrivé, wouhou, combien de verres? Combien de verres? Ouais, ouais. Vraiment. Ouais. Ouais. Et les gens de votre famille savaient? Nos parents, non. Peut-être que maman s'en doutait, parce qu'elle dormait pas vraiment la nuit tant qu'on n'était pas rentrés. Oui, oui, c'est vrai. Donc des fois, je pense qu'elle devait peut-être sentir... l'alcool ou même à notre comportement, parce qu'on essaie de tenir droite pour monter les escaliers. Ouais. Je peux pas. Mais c'est pas possible. Après, elle nous en a jamais parlé, mais je pense qu'elle le sentait un petit peu. Quoi. Mais il y a une fois où j'étais rentrée, moi, et j'étais sous, en fait, et j'arrivais même pas à tenir debout. Et je me souviens, elle m'a dit, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Franchement, ah oui. Même si à ce moment-là, j'avais bu, quand j'ai vu ma mère comme ça, j'ai eu vraiment trop de peine. Bah oui. Et elle m'a dit, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va et tout. Et moi, j'ai menti. On m'a droguée, on a mis un truc dans mon verre, j'en suis sûre. Ah bon, mais comment ça s'est passé? Ben, je sais pas, maman. Et en fait, je savais que je mentais. Ouais. Elle m'a dit, t'as pas bu, t'es sûre? Non, j'ai pas bu. Alors je mentais, j'avais bu. T'as bu jusqu'à outre. Ben, c'est ça, en fait. Elle a bu à outrance. J'avais bu et. Bref. Au final, du coup, et même un jour, tu te retrouves au sol. Enfin, tu te retrouves dans les toilettes. Oui. On t'a enfermé, du coup, on t'avait pris. Ouais, on m'a pris, on m'a mis. Le videur m'a pris, il me disait, ouvre la porte. Et moi, je disais, non, mais je suis bien là et tout. J'étais sur ma tête sur la cuvette des toilettes. Je vomissais dans les toilettes, mais aussi sur moi. Oh, purée. Et non, je suis bien là. Parce qu'en fait, j'étais comme ça. Mais ouais. Pour moi, je dormais, en fait. Mais j'entendais des personnes. Ah, il y a une fille et tout. Après, j'ai vu la porte s'ouvrir. Je me suis vue porter. On m'a mise dehors. Et j'étais là. Mais ma sœur, elle est où et tout. Et du coup, il y a les videurs qui sont allés chercher ma sœur. Et nous ont mis tout. Parce qu'elle aussi était dans le même état que moi. Mais elle était ailleurs dans j'étais la boîte, juste dans en le fait. Même état, mais l'étage en dessous. Ouais. Mais du coup, un jour aussi, tu vas. Tu m'as déjà dit que du coup, c'était un trou noir, tu ne te rappelais plus de ce qui s'était passé. Ouais. Mais je me souviens juste qu'on m'a apporté, on m'a soulevé. Et tu t'es retrouvée après dans ton lit. Ouais. Et entre les deux, je pense qu'il y a un passage Uber. On a vomi dans sa voiture, pardon monsieur. Ouais. Et après le lit, mais je me souviens. Il y a des soirées que j'ai oubliées. Ouais. Hein. Vraiment, il y a des soirées que j'ai oubliées. Oui. C'était une addiction et ça vous poussait à. À dépasser des limites. Oui, c'est ça. C'est ça. Il en fallait toujours plus parce que ton corps, il s'y habitue. Bah bon, c'est un peu l'alcool. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du toujours coup, comment plus. Après, comment ça s'est arrêté en fait? Bah, en fait, je pense que. Parce que en sachant que pendant la période où on sortait, on a rencontré le Seigneur en même temps. D'accord. Donc, du coup, on a commencé à aller à l'église grâce à maman. Parce qu'en fait, maman, elle a dit qu'il faut remettre notre vie en règle, ça ne va pas du tout. De se réveiller un jour comme ça. Mais et du coup, on a dit, ouais, mais non, on veut pas aller à l'église. L'église, c'est ennuyeux et tout, c'est pas possible. Elle a dit, non, mais je vous parle pas de l'église catholique. Je vous parle des églises, les autres églises. Ah ouais, les églises des fous. Ah, c'est comme ça que vous voyez les églises de réveil. Les églises des fous. Elle a dit, non, c'est pas ça, mais on va y aller quand même. Donc en fait, elle a cherché plusieurs petites églises à côté de la maison. Ouais. Jusqu'au jour où on a trouvé notre église à nous. Et qu'on a été. Donc ça fait que, petit à petit, même si tu t'en rends pas compte, le Seigneur, il te travaille. Oui. T'attire à lui. Oui. Voilà. Donc on écoutait les prêches, les louanges nous touchaient quand même, parce qu'en plus on aime beaucoup la musique, donc ça nous touchait énormément. Mais on avait quand même envie de sortir le soir, donc on sortait les vendredis, on sortait le samedi. Le dimanche, on était à l'église bourré. Donc, à l'église, on n'entendait pas trop. Oui, mais c'est ça. C'est dur, c'est ça. Dormir. Mais voilà, tu fais ta sieste d'une minute quand c'est le temps de la prière, là. Après, tu réouvres tes yeux. Mais on a quand même eu ce déclic jusqu'au jour où ça a été le soir de trop et qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment blessé notre maman. Et qu'on avait vraiment déçu nos parents et on s'est dit non, on ne peut plus faire ça. C'est pas possible, vous avez rencontré le Seigneur, vous vous salissez de nouveau, mais vous êtes. C'est pas possible. Ouais. Mais il faut dire que l'église dans laquelle vous y allez, vous avez déjà ressenti quelque chose. Oui. Il y a un son, une louange qui nous a. La première fois, on est allé. Elle nous a mis le chant, à terre, Dieu des miracles. Ouais. Et ça dit, tu es celui qui a vaincu la mort, tu es celui qui fait des miracles, et ci et ça. Et nous, on disait, bah, en fait, vu notre situation, ça nous parlait parce que on s'est dit, si on est là, le Seigneur, il peut faire en fait un miracle à travers nous.
Et du coup, ouais, il y avait vraiment ce travail qui se faisait, mais on en avait pas trop conscience. Ouais. Et du coup, au final, qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes allé à l'église? Ensuite, vous êtes revenu. Et après, à un moment donné, vous êtes mis à fond. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait? Pourquoi? Vas-y, parle avant, parce que moi, du coup, vu que c'est l'histoire avec... Ouais. De quoi? Bah, raconte avant toi comment... Ah, comment quand... tu as décidé de vraiment être à fond, en fait? C'était... Bah, du coup, c'était fin 2019. Et quand j'ai arrêté, en fait, je me suis dit, bah, il faut du coup que je cherche le Seigneur si j'ai arrêté de faire ces choses-là. Et si du coup, il me délivre en fait, de ces choses-là, je ne peux pas en fait, vivre ma vie comme ça, comme si ça y est, il m'a délivré et puis c'est bon. Ouais, voilà. Et du coup, c'était fin 2019. Et après, en fait, en mai 2020, il y a eu le confinement. Donc, c'était vraiment juste après. Et c'était à cette période-là, en fait, que je l'ai vraiment... chercher, vu que j'étais confinée. Et franchement, c'est assez... C'est ça. Je sais que le Covid, pour beaucoup de personnes, ça a été dur, mais pour ma part, merci Seigneur, c'est à ce moment-là où il s'est vraiment révélé à moi. Il m'a beaucoup parlé. Franchement, je crois que c'est à cette période où il m'a parlé le plus, en fait. Il m'a beaucoup parlé, même carrément... J'étais tellement devenue à fond que même ma mère et ma sœur me disaient « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Parce que genre, je voulais être que dans ma chambre. Mais vraiment. Elle m'énervait carrément. Elle était devenue amère. Mais limite, elle m'énervait par moment. Ouais, elle disait « On fait ce truc ensemble. Ah non, là, je vais être avec le Seigneur. » Hein. Wow, vraiment. Mmh. Parce qu'en fait, c'est ça. Plus tu le cherches, plus il se révèle, en fait. Et j'avais soif, mais waouh, d'une manière. Je l'ai un peu influencé quelque part. Oui. Oui, parce que du coup, elle voulait... Vas-y, dis-nous, raconte-moi un peu l'histoire. Donc, en fait, moi, du coup, il y a eu l'occultisme, les boîtes, mon ex, et après, à fond, Covid. Mm. Et du coup, la période ex, en fait, c'est que quand on a arrêté les boîtes, c'est ce que je disais, ça a été un peu plus facile pour moi, parce que j'ai rencontré un garçon. En fait, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je veux te suivre, et je veux vraiment que ma vie te soit agréable, mais tu sais aussi que je veux un mari. Et du coup, je veux un homme qui marche pour toi et qui pleure quand il entend ton nom, vraiment. Un homme qui croit en toi. Et genre, quelques temps après, j'ai rencontré un garçon sur les réseaux. Et c'est un garçon que j'avais déjà vu un an auparavant, je crois, chez un pote pour le Nouvel An. Donc, je me suis dit, oh, c'est un signe et tout. Un petit peu, c'est le Seigneur, il répond à ma prière. Donc, on va voir si c'est pour mes doigts. Donc, du coup, je suis rentrée dans cette relation. Franchement, il était mignon. Il était gentil et tout. Puis, il me dit direct, tu crois en Dieu? Je dis, hé! Genre, c'est lui qui pose la question. Donc, oui, je crois en Dieu, je suis chrétienne et tout. Il dit oui, moi aussi. Après, du coup, il monte sa croix, tu sais, on fait un petit selfie avec sa croix et tout. Donc, on commence à parler et petit à petit, donc, je m'attache à lui et on sort ensemble et tout. Mais en fait, c'est que cette relation, ça a été... c'est tellement long, donc je vais aller... à l'essentiel. Il y a eu beaucoup de combats parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le Seigneur qui m'avait mis dans sa vie. Et que en fait, il était plutôt là plutôt pour m'éloigner. Parce qu'à chaque fois que je lui parlais du Seigneur, il était en colère, il s'énervait, il était pas content. Je pouvais pas écouter de louanges en sa présence. Plusieurs fois, on a voulu aller à l'église avec lui. J'ai mal au dos. Non, il avait vraiment mal au dos. Il avait vraiment mal au dos parce que. Mais en plein culte à chaque fois. En fait, il y avait toujours des excuses en plein culte pour sortir. Et après, on voit, il est à la cafette tranquille, à la cafette de l'église. Donc, même moi, ça m'était mal par rapport à mes parents. Mais j'étais amoureuse, donc du coup, je voulais pas m'éloigner. Je disais, non, Seigneur, c'est-à-dire que c'est toi qui m'as mis dans sa vie pour que je l'évangélise, pour qu'il vienne à toi et tout. Donc, j'ai tout fait. Et puis, j'ai commencé à faire des rêves bizarres. J'étais beaucoup attaquée dans mon sommeil. Et en gros, des choses pas saines. Pas saine du tout. Mais j'arrivais pas à m'en sortir. Donc, jusqu'au moment où j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, tu vois les combats que j'ai, mais tu sais à quel point je l'aime. Si c'est vraiment toi qui l'as mis dans ma vie et que c'est Satan qui fait que pour, en gros, lui combattre genre cette relation, fait qu'il me demande en mariage. Au jour de mon anniversaire, il me demande en mariage. Du coup, j'ai dit, OK, Seigneur, merci, c'est toi. 3 novembre 2020. 2019. Et j'ai dit, non, c'est bizarre que tu m'aies demandé en mariage, mais j'ai toujours pas cette paix. Et je suis toujours pas bien, donc c'est pas possible, ça vient pas du Seigneur et tout. Et du coup, un jour, je faisais un rêve et tout, et j'étais dans un rêve, dans un lieu
t'es trop bien. Mmh. T'es dans un lieu vraiment trop, trop bien et tout. Et je me dis, waouh, je suis où, ouais. C'est un songe et tout, je me dis, waouh, je suis où, c'est vraiment, c'est merveilleux. Mmh. Et je vois en fait dans ce songe ma mère et ma sœur qui marchent dans, en gros dans une paix. Je sens qu'elles vont dans une paix et qu'elles montent. Elles montent, donc elles montent vers le ciel et tout. Et après, genre, je me retourne de l'autre côté et je vois des ténèbres. Wow. Mais des ténèbres catastrophiques. Ouais. Et justement, mon ex descendait vers ces ténèbres. Waouh! Non! Mon ex descendait vers ces ténèbres. Mon Dieu, t'as parlé? Ouais, mais vraiment. Parce qu'il m'a dit, je pense que ma fille, je t'aime, mais tu fais n'importe quoi. C'est pas moi. De manière claire. C'est ça. Ouais. Et j'ai senti au fond de mon cœur, choisis où tu veux aller. Waouh! Wow. Je te laisse choisir où tu veux aller. Je me suis réveillée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. Wow. Vraiment de mon cœur, même pas de mon corps, de mon cœur. Parce que je l'aimais vraiment, mais j'ai dit, je peux pas. C'est pas lui qui l'a mis dans ma vie. Donc du coup, j'ai dit, ben, en fait, j'ai attendu quand même, genre la dispute de trop. Et cette dispute, j'ai dit, j'en peux plus. On a profité pour aussi le terme. Ouais, j'ai dit, j'en peux plus. Parce que malgré ça, il y avait des bons moments quand même. Oui. Mais j'ai dit, j'en peux plus. Et si déjà, on n'est pas mariés, c'est comme ça. Mariés, ce sera comment? J'ai pas envie. Bien sûr. J'ai pas envie, donc je l'ai quitté, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, mais je l'ai quitté. Et depuis, c'est pour ça que j'ai dit, non, Seigneur, tu m'as parlé comme ça. Mais déjà, ça me prouve à 10 000% que tu existes vraiment. Et après, il y a eu le confinement et ça a fait que j'ai mis ma vie droite. Et en plus, pendant le confinement, parce que moi, je suis infirmière, donc je n'ai pas vraiment vécu le confinement. Ouais, tu sortais. Moi, j'étais grave au travail. Mais j'ai eu le Covid. Et pendant cette période de Covid, j'ai attrapé le Covid, mais j'ai été mal pendant 3 semaines et demie, voire t'as un mois. Tu as été isolée, du coup, tu t'es mis. Et du coup, j'ai été isolée dans cette période. J'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. Amen. Encore un autre petit témoignage que je ne raconterai pas, mais il y a un ami qui a été gravement malade. On a cru qu'il allait mourir. Donc, même ça a réveillé ma foi de ouf. Et c'est ça, c'est ça. Et du coup, donc tout ça a fait que maintenant on marche avec le Seigneur et j'aime trop mon Jésus. Et partout où je suis, tout le monde sait. Hein. Partout où je suis, tout le monde sait que j'aime mon Jésus. Hein. Vraiment. Donc voilà. C'est incroyable. En fait, si vous avez un mot à dire à quelqu'un qui vous regarde et qui passe par la même situation que vous, qu'est-ce que vous lui direz, Divine? De pas laisser tomber, en fait, même si des fois tu passes par des temps qui sont difficiles et tu dis peut-être ah, ça y est, j'en peux plus. Non, le Seigneur, il est là, il te tient, en fait, et il a des plans merveilleux pour ta vie. Et faut pas, en fait, culpabiliser peut-être d'un péché que tu as pu faire, parce que le Seigneur, il a payé pour ça, en fait, à la croix. Et il te justifie. Et la seule chose qu'il veut, en fait, c'est que tu lui tends ta main pour qu'il puisse l'attraper et il est là pour toi. Juste humilie-toi devant lui, dis-lui, Seigneur, peut-être j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais pardonne-moi. Et franchement, il va t'accueillir les bras grands ouverts. Donc franchement, no stress. En Jésus, c'est la grâce et il t'aime infiniment plus que ce que tu ne peux l'imaginer. Amen. Voilà. Ouais, c'est et ça. Toi, Cécile ? C'est pas facile tous les jours, c'est vrai. On va pas mentir. C'est pas facile tous les jours. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi et qui est toujours là avec moi dans les moments où je me sens pas bien ou même les moments où je suis encore mieux. Parce qu'il y a même une petite phrase qui dit « God is greater in the low and the high ». Et du coup, c'est ça. Il est tout le temps là avec nous. Et, en tout temps. Et, en tout temps. Et n'aie pas honte de toi, n'aie pas honte de te dire « Ouais, mais moi, je suis sale. Vous avez fait ça, les filles, mais moi, j'ai fait des trucs pires. » Mais il le sait. C'est lui qui t'a créé, donc il sait très bien les moments où tu es tombé, les moments où tu n'étais pas bien, les moments où tu as eu honte de toi, ou même peut-être sur le moment où tu étais fière de tes bêtises. Mais reviens-lui vraiment avec un cœur sincère, pleure, crie, fais tout ce qu'il faut, mets-toi à genoux et tu verras, il va te changer. Amen. Il va vraiment changer. Une chose est sûre, c'est que peu importe qui tu es en fait, si tu veux venir à Dieu, ses bras sont grands ouverts. Tu n'as pas besoin de parfait pour venir à Dieu en fait. En tout cas, vraiment, merci pour votre témoignage. Merci à toi. Merci et Dieu va se glorifier. Et surtout, si toi aussi tu es dans ce cas-là, appelle le nom de Jésus et dis, Seigneur, délivre-moi, libère-moi. Et si tu as un témoignage à partager, n'hésite pas à me contacter sur ma page Instagram, partage ton histoire. En tout cas, merci beaucoup à vous aussi pour ce témoignage. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et on se dit pour un autre épisode dans Partage ton histoire.